suis designer. J'ai été diplômé des arts décoratifs de Paris en 2015 en design objet. Et la pierre, je connaissais pas, j'avais jamais encore travaillé ce matériau. Et c'est ce qui me donnait aussi envie de faire cette résidence. On commence par une phase d'expérimentation, de recherche autour du matériau, des techniques, des outils. Et à partir de là, on tente beaucoup de choses, parfois des choses avec une idée assez précise, parfois plus de manière instinctive. Est-ce que tu as une petite idée de l'objet que tu vas concevoir par ce moyen? Il y aura déjà une assise, je travaille dessus, et puis après ça peut être décliné différents types de mobilier. Je vais te chercher un exemplaire. Donc voilà, donc ça c'était les servants qui m'ont permis d'assembler le coffrage. Ça me permet aussi d'avoir des éléments à la fois rentrants et sortants. Et donc là, je travaille sur ce type d'assise. Donc là, c'est l'échelle réduite. Ce qu'il nous apporte, ce sont, c'est par exemple la révélation de la lose polie, de la lose découpée au jet d'eau. C'est ce qui nous intéresse aussi, de nouvelles modalités de fabrication qui donnent aussi à penser, à imaginer de nouveaux objets. C'est là qu'il y a vraiment des découvertes. On touche autrement, on regarde autrement, on assemble autrement et les objets sont différents au final. Et c'est forcément quelque chose qui est en phase à 100% avec avec l'esprit de notre résidence. La lose corse, elle est utilisée principalement pour des toitures. Donc la lose, c'est la mise en forme du schiste. Le schiste, c'est le matériau. La lose, c'est un type de mise en forme qui est adapté pour des toits, pour du dallage. Donc ça, c'est son utilisation, je dirais, traditionnelle. Alors, le problème en Corse, pour la lose, mais pour la pierre en général, c'est que toutes les carrières ont fermé les unes après les autres. Et là, la carrière qui a fourni le matériau de la résidence, c'est la dernière encore en activité. La découpe à la scie en ligne droite
c'est quelque chose qui se fait facilement. Donc à partir de là, il y a quand même beaucoup de possibilités de mise en forme qui sont réalisables. Et puis après, il y a des techniques qui ont à voir avec le surfaçage du matériau, polissage, sablage, etc. Où là, on travaille le matériau en surface. Voilà, il y a ces deux éléments-là qui permettent de voir si on peut amener de la brillance, du mat, si on conserve la rugosité d'origine du matériau. Voilà, il y a des jeux comme ça de texture. Et de contrastes qui sont assez intéressants avec la lauze. Le rôle de fabricage, je pense, c'est d'ouvrir le champ d'expérimentation autour de ce matériau et d'essayer de proposer d'autres choses, d'autres traitements du matériau, essayer de le sortir de son domaine où il est utilisé traditionnellement, c'est-à-dire en architecture. Donc ça, c'était la manière dont j'ai entrevu cette résidence, et donc j'ai tenté des choses qui sont, je dirais, peu courantes avec ce matériau.